J'ai écrit le roman à fleur de peau pour essayer de rendre compte de l'évolution possible des personnes qui sont très sensibles et qui essayent de bien vivre avec leur sensibilité et qui essayent de faire en sorte que leur sensibilité devienne une force. Souvent au début, ces personnes-là ont l'impression qu'elles ne sont pas normales, qu'elles sont très différentes, qu'elles vivent de façon difficile leur sensibilité. Et en fait, au fur et à mesure, lorsqu'elles se rendent compte au contraire que leur sensibilité est une qualité, un don, une force, elles vont pouvoir évoluer dans la vie de façon positive, trouver ce qui leur correspond le mieux, que ce soit dans le domaine des relations, du métier, des activités qu'elles font, et finalement se sentir de mieux en mieux avec cette sensibilité et grâce à cette sensibilité qui devient vraiment un atout. Alors c'est important pour moi de souligner que j'ai vraiment voulu écrire un roman initiatique, comme L'Alchimiste par exemple ou La Prophétie des Andes, et que donc c'est l'histoire de ce personnage, de Flora, qui compte le plus.